Alors il y a 20 ans, j'étais aux États-Unis et je découvrais le monde de l'ADSL, l'Internet en continu sans les... et, et, et les connexions téléphoniques intempestives. Euh, un changement radical qui arrivait en France quelques... Allez, 5 à 6 ans plus tard, malheureusement. Euh, donc j'espère que dans 20 ans, bah, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que le, la France, l'Europe, allez, soyons fous, euh, on n'aura plus qu'un seul pays européen, euh, sera leader en matière de numérique et on viendra s'inspirer en France euh, bah, sur du très, 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 très haut débit. Euh, qui sait, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on sera en réactif virtuel aux quatre coins du monde, aux quatre coins de, de la, des planètes. Et, euh, et puis sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la data et de l'éthique. Euh, on saura vraiment expliquer d'où viennent les choses, euh, d'où viennent, viennent les données, euh, quel est leur sens, et, et montrer que finalement, elles sont objectives. Euh, un 1 a toujours été un 1, un 0 a toujours été 0, pourtant aujourd'hui, le numérique, c'est très subjectif, et donc j'espère que dans 20 ans, on sera revenu à de l'objectivité pure et dure.